Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est à un mois du tournage et que le scénario n'est pas fini? Et vous croyez que ça se fait comme ça, vous? C'est vrai, j'ai pas d'idée. On vous demande pas d'avoir des idées, mon vieux, on veut faire un truc cochon. Je comprends pas, c'est pourquoi on s'emmerde avec Schweitzer, Mermoz, le père de Foucault et les vieux cons d'académiciens. Mais et l'autre affiche? Il est moi une docteur sexe par monsieur, en tout petit, monsieur Boudon, et en très gros de l'académie, et en tout petit des affaires culturelles et catholiques. Et voilà. Alors, pour le début, on peut garder le coup du docteur qui fonde l'hôpital en Afrique, hein, infirmière dévouée, tout. Bon, le docteur aime en secret l'infirmière. Là-dessus, Mermoz se casse la gueule en pleine jungle, d'accord? Et Mermoz, mort. Comme ça, l'économie d'un acteur. Ah, c'est bon. Pendant ce temps-là, j'ai transformé le père de Foucault en un explorateur sadomaso à la tête d'une bande de mercenaires nazis. Alors là, il débarque dans le village, alors là, viol des négresses, de l'infirmière en chef, de l'hôtesse de l'air, etc. Soudain, surprise, l'infirmière en chef prend son pied. Ah, et le truc, et alors là, déchaînement complet, le grand rut, flagellation, tchac, hein, pas mal ça. Et avec l'explorateur et l'infirmière en chef, ils décident de transformer l'hôpital en un bordel géant, avec piste d'atterrissage secrète au milieu de la jungle. Ah, ça c'est génial ça. C'est génial. Génial, hein. Bien, non? Mais dites-moi, Manuel, pourquoi une piste d'atterrissage dans la jungle? Ça va coûter cher, ça. Oui. Pour les partouches géantes qui débarquent par charters spéciaux, des jumbo jets remplis de sexe. Mon film, ça va être le symbole du tourisme moderne. Libérer les tabous sexuels judéo-chrétiens avec... Mais merde. Ben, qu'est-ce qu'il y a tout d'un coup? Vous n'avez plus l'air enthousiaste. Si, mais... Ça n'a rien à voir avec la chartreuse, tout ça, c'est un porno. Et alors, qu'est-ce qui plaît? C'est le porno. Enfin, si les gens faisaient pas la queue pour voir du porno, nous ferions autre chose, enfin. J'ai honte. Là, et là. Si vous me donnez un petit peu de moyens, je pourrais peut-être me rattraper sur les images. Oh, oui. Vous vous rendez compte ce qu'on peut faire avec l'Afrique? Ces grandes étendues désertes, ces immenses troupeaux d'éléphants, avec leurs trompes, comme ça.